Oh, Claudine, si tu savais, j'aimerais repartir à zéro, tout recommencer. Non, mais tout recommencer à partir de quel moment? La première paire de jumeaux ou la deuxième? Oh, tu me pardonneras jamais mes erreurs de jeunesse, c'est pas possible. Non, mais je pense que nous n'avons pas la même définition de la jeunesse. Oh, c'est pas possible. Marie-Louise, c'est si bon de te serrer enfin dans mes bras. Oh, doucement, Moussa, c'est qu'une simple danse que vous dirigez d'ailleurs comme un pied. Oh, toujours cette petite pointe d'ironie qui m'embrase, Marie-Louise. Mais quand est-ce que vous reconnaîtrez qu'on est fait l'un pour l'autre? Mais quand est-ce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas mon type? C'est quoi votre type, alors? Si je vous le disais, vous comprendriez pas. Allez. Ah bah vous dansez aussi bien que vous réparez les fils, vous. Un petit bébé. Et vous, vous êtes aussi psychologue que ma grand-mère, en pleine crise d'hémorroïdes. Ah bah ça devait faire des étincelles. Ha ha. N'empêche, je comprends pas qu'on veut pas de mes talons de DJ, là. J'ai mis une de ces ambiances à la dernière fête que j'ai animée. Bah ça, on peut aisément l'imaginer. Ah, et on change de partenaire. Oh. Que de cheval! Comment allez-vous? Là, vous n'avez aucune déontologie, vous, d'une façon. Ah bah, faut dire qu'après quelques verres, ouais, on est beaucoup moins. Ça se sent. Mais vous inquiétez pas, personne nous entend, là. Oh. Puis, faut dire que pour un timide, hein, vous avez fait fort. Hein. Vieille poche. Vous m'avez ouvert des voies de thérapie insoupçonnées. C'est-à-dire? Ah bah le prochain chauve qui vient à mon cabinet, je lui donne directement votre 06. Vous ferez du meilleur boulot que moi. Ouais, bah moi j'étais dépassé par les événements, hein, c'est tout. Hein. Ah bah ça, c'est la justification de presque tous les grands criminels. Vous voulez pas que je prenne le relais là, à la sono? J'ai une petite playlist là qui vous réveillerait tout ça là. Et puis avec un petit branchement sur l'ampli au moins pour que ça pulse un peu là, parce que... Vous les branchements stop, hein. Surtout après le rhum coca, hein. Non, je suis tout à fait performante après un verre ou deux, hein. Ah ouais, ouais. Bah, c'est ce que disent aussi les futurs accidentés de la route. Allez Marie-Louise, c'est votre amie après tout. Vous pouvez bien intercéder en ma faveur. C'est justement parce que nous sommes amis que je ne le ferai pas. Ah, je crois que vous êtes laissé aigrir par votre histoire avec Fantomas. Alors, Fantomas est un baltringue, mais je suis pas sûr que vous valiez mieux. Allez, donnez-moi un indice. Hey, qu'est-ce que je pourrais faire pour la séduire? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime? C'est long. Hein. Vous avez vraiment la perspicacité d'une moule. Et c'est la fin de la danse. Ah bah enfin. Attention, bientôt le grand numéro final. Oh, non mais je comprends pas là. Soyez plus clair. Qu'est-ce qui me manque à la fin? Ah Mousse, je pense que c'est surtout ce que vous avez en trop. Il suffit quelquefois d'un petit appendice pour faire toute la différence. Bah je comprends pas. Ah bah ça c'est normal, hein. C'est hors de portée de votre psyché néandertalienne. Mais comme on vous aime bien au village, on va vous faire un dessin, histoire que vous arrêtiez de vous ridiculiser. Et tac. C'est ça leur grand numéro final? Ah bah les bras m'en tombent. Ah bah les bras peut-être pas, mais il y a autre chose qui va retomber, c'est certain. Comme quoi tout le monde a ses petits secrets, Mousse. Eh oui. Allez, on se voit pour cette première soirée du personnel. Ça s'appelle un râteau. Voici venir l'exotique. La Yaya. Qu'est-ce que c'est que ça? Le céleste. Oh, mais je reconnais, ça serait pas... Le renversant. Non, mais ne me dites pas, c'est... Oh.